Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le dimanche 13 mai 2018 et je vais vous faire une vidéo qui sera probablement pas publiée ce jour même puisque ça fait un petit moment que la vidéo est... Enfin, les préparatifs sont en cours puisqu'en fait, on va parler de dépendance. Donc j'ai trois machines, quatre machines virtuelles ici. J'ai une Manjaro matée, une Ubuntu matée, une Fedora matée et une Calculate matée. Donc quatre distributions différentes, installées avec le même environnement de bureau, avec leur installation par défaut. C'est-à-dire que, alors je ne sais plus dans quel sens elles sont installées, mais Manjaro a été installé de la base avec juste Manjaro, enfin juste Mate Extra. Fedora Mate a été installé avec le live CD de Fedora Mate. Calculate a été installé avec le CD Calculate Linux Mate, CLDM, et Ubuntu a été installé avec Ubuntu Mate en version complète. Et le but de cette vidéo, bah, ce serait de tester, si vous voulez, de savoir comment se comporte la gestion des dépendances et des orphelins. Typiquement, pour ces quatre distributions, je vais faire quoi ? Je vais désinstaller le gestionnaire de fichiers, Kara, qui est le gestionnaire de fichiers de Mate. Je vais installer Nemo, qui est celui de Cinnamon, et je vais supprimer des paquets orphelins pour faire du ménage. Donc typiquement, si j'enlève un gestionnaire de fichiers, j'en remets un autre, il ne doit pas me désinstaller Mate. Et bien c'est ce qu'on va voir. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne sais absolument pas de ce qui va en être, puisque j'ai pas testé. Je suis juste parti d'une hypothèse que Serge m'a lancée en me disant... Si on désinstalle Kara sur Ubuntu Mate, eh bien, il nous enlève tout l'environnement de bureau Mate, donc la gestion des dépendances est nulle sur Ubuntu. Eh bien, c'est ce qu'on va tester par cette vidéo. L'intro étant finie, on va passer à la première des quatre vidéos. Donc c'est parti pour la première distribution. Première vidéo. Et donc, il s'agit de Ubuntu Mate. Donc ce qu'on va faire... On va désinstaller Kara en désinstallant avec les orphelins. On va installer Nemo pour avoir toujours un gestionnaire de fichiers. On va prendre celui de Cinnamon. Et puis, on va après... alors, avec le bon mot de passe, ce sera mieux. Donc, on va désinstaller Kara, installer Nemo, supprimer les orphelins, faire la mise à jour du système et voir où est-ce qu'on en est. Donc là, on a un petit Mate sympathique. Donc le Mate de Ubuntu, terminal. Je vais faire tout en terminal, comme ça, ce sera transparent. Sudo, alors. Sudo-i, on va se connecter en route. Voilà. Donc, xrender s1920x1080. Ok. Donc maintenant, forcément, on va perdre des fonctionnalités en enlevant Kara, puisque ici, on a le... Kara, si vous voulez, est dépendant de... Enfin, c'est lui qui permet d'afficher les icônes sur le bureau. Donc, apt auto-remove Kara. Mais par exemple, le gestionnaire de fichiers, il ne m'intéresse pas. Je l'enlève. Donc là, on voit qu'il enlève Kara, Kara admin, Kara rename, Kara seahorse. Donc ça, ce sont sans doute des extensions à Kara. Mate desktop environnement core. Ubuntu Mate core, Ubuntu Mate core desktop. Ubuntu Mate desktop. Donc on va voir ce que ça enlève. Il est fort probable que ça enlève les personnalisations de Ubuntu Mate. Les thèmes et compagnie. Voilà. Ensuite, apt auto-remove. On vérifie qu'il n'y a rien en orphelin à enlever. Ok. Apt install. Install. Donc je vais installer Nemo par exemple. Donc j'imagine que c'est la même chose suivant les distributions, si on enlève Dolphin pour un autre gestionnaire de fichiers, ou si on enlève voilà, si on enlève un gestionnaire pour un autre. Donc là j'installe Nemo, bon, j'aurais pu installer Thunar, mais bon, je prends Nemo. Voilà. On fait un petit apt update. Et vous inquiétez pas, ça va arriver. Apt dist upgrade.
Voilà, on va faire donc la mise à jour du système pour terminer. Ah bah mince, ça n'a pas marché. Apt update et apt dist upgrade. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous installe? Bah, il nous installe juste une mise à jour de Firefox, hein, il n'y a pas grand-chose. Voilà, et on reboot. Et donc on va voir dans quel état on retrouve notre Ubuntu. Voilà, donc là on a toujours qu'un seul environnement de bureau. Suspense. Et donc l'environnement du bureau qui se charge, c'est maté. Vous voyez le thème a changé, le fond d'écran il a disparu mais il va réapparaître. Voilà, avec celui qui est par défaut. Donc en gros on a une maté, un maté ordinaire, donc on perd la personnalisation d'Ubuntu, mais la maté est toujours fonctionnelle. Voilà, si je vais dans le centre de contrôle, application préférée, je vais vérifier quand même dans système qu'on a bien un gestionnaire de fichiers. Ok. Et donc si je fais un file 2.//home/adrien, on voit que le gestionnaire de fichiers s'ouvre quand même. On perd juste la fonctionnalité des icônes sur le bureau, ce qui est normal puisqu'elle est dépendante de Kara. Voilà, donc ça c'était la première, premier test, première distribution. Donc j'ai un petit peu de temps là encore, je vais enchaîner sur la deuxième vidéo. Donc j'enchaîne sur la deuxième machine virtuelle. Et donc là, la distribution qui va se charger, c'est Fedora. Donc on va faire ça avec DNF. J'aurais pu tester avec CentOS et tester avec Yum. Mais bon, voilà, on va tester avec Fedora. Donc là, hop, on se connecte. Ici, donc on n'a qu'un seul environnement de bureau, c'est maté. Et donc on va procéder de la même manière. Sauf que là, on a le plein écran en premier lieu. Donc, sudo-i. Voilà, on a le mot de passe. Donc, pour supprimer avec DNF les orphelins, c'est DNF auto-remove. Et donc, on fait la même. DNF auto-remove Kara. Voilà. Donc là, ça supprime des trucs. Ça supprime donc Kara. Ngrampa, qui est le gestionnaire de le compresseur. Bon, pourquoi pas. Ça supprime des petites choses qui seront donc les dépendances inutilisées. Donc on voit qu'on ne supprime pas maté, on ne supprime rien de maté. En même temps, il n'y a peut-être pas beaucoup de personnalisation sur Fedora de maté. Il n'y a pas une personnalisation maison de Fedora. De maté, je veux dire. Parce que si on va dans le centre de contrôle, apparence, en fait, il n'y a pas de thème spécial Fedora. Voilà. Le thème par défaut, c'est Blumenta. Je crois, hein. Donc, je veux dire, voilà, c'est Blumenta, Blumenta, maté, maté. Il n'y a rien de transcendant là-dedans. Donc là, je vais installer DNF install Nemo. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'il me réinstalle un logiciel de zip. Donc là, par contre, donc il m'installe quoi? Ah, il m'installe pas de logiciel de zip, c'est con. Et là, il m'installe un bout de Cinnamon Desktop. Alors, je pense qu'il n'y a pas grand-chose dedans. De toute façon, on verra bien au redémarrage si oui ou non. On a Cinnamon qui est proposé au démarrage, enfin, à l'écran de login. Donc là, je vais reforcer la suppression des orphelins avec un DNF auto-remove. DNF auto remove. Voilà. Donc là, il doit rien m'enlever. Si ce n'est quelques petites bricoles. Ah bah oui. Ok. Des orphelins. Enfin, des paquets orphelins qui ne servent plus pour d'autres choses. Voilà. Donc on enlève. Hein, on fait le ménage. On fait un DNF upgrade.
pour mettre à jour la Fedora. Oui, tant qu'à faire. On n'a pas pour très longtemps. Et après on rebootera et donc on verra ce qu'il en est. Voilà, hop, schlack, voilà, c'est réglé. J'aurais dû virer les delta RPM. Pas grave. Donc s'il y en a qui me demandent, hein, bien sûr, c'est rapide hein, parce que les machines virtuelles sont sur le disque SSD, sur la partition spéciale réservée aux machines virtuelles. Et le téléchargement s'est passé assez rapidement puisque j'ai une fibre 200 mégas à la maison. Mais si vous faites des tests chez vous, ça peut être un petit peu plus long évidemment. Mais par contre, la vidéo n'est pas accélérée. Hein. Donc, là, l'install se déroule. Je coupe pas, hein, comme ça vous voyez qu'il n'y a pas d'entourloupe. Voilà. Donc ça c'est un petit peu plus long parce que forcément les machines virtuelles je les ai installées plus ou moins au même moment, mais il y a plus de mises à jour sur Fedora que sur Ubuntu. Après c'est les installations par défaut hein, que j'ai utilisées, à l'exception de Manjaro où j'ai installé la version minimale, puis j'ai installé Mathematica Extra. Je l'ai fait par Manjaro, ça m'évite de me taper une installation de Arch Linux. C'est quand même plus rapide. Voilà. Donc là, c'est réglé. On va faire un petit reboot. Et on va voir ce que ça donne. Et les autres vidéos, les autres petits bouts de vidéos, je les ferai un peu plus tard. Donc là, il me génère le grub, le initramfs et compagnie, c'est pour ça que c'est long. Sur le paquet kernel. Voilà. Et après il me fait les vérifications, ça va être vite réglé et on va rebooter tout ça. Donc normalement on aura les mêmes symptômes qu'avec Ubuntu, c'est-à-dire perte des icônes sur le bureau de fait. Voilà, reboot. Hop là. Donc la Fedora se charge toujours, c'est une bonne nouvelle. Là on a toujours que la possibilité d'avoir un seul environnement de bureau. Qui sera donc maté. Voilà, alors est-ce qu'on perd le fond d'écran? Non, on perd pas le fond d'écran de maté. On perd les icônes sur le bureau évidemment. Et donc si je fais un file 2.//home/adrien, il m'ouvre bien un gestionnaire de fichiers qui est Nemo. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci, on ne perd pas maté avec la suppression
du gestionnaire de fichiers sous Fedora. Voilà, donc on va passer à la troisième vidéo un petit peu plus tard, mais pour vous, vous y verrez rien puisque je vais tout coller au montage. Donc, nous voici pour la troisième partie de la vidéo avec le troisième test en machine virtuelle, vidéo 3. Donc, on va la mettre sur le bon écran. Et donc, cette... Alors là, c'est Calculate Linux maté. Alors, le problème, c'est que ça risque d'être un petit peu long. Je vais la couper salement. Je vais passer sur la vidéo 4, qu'on va lancer sur le bon écran. Voilà. Qui est donc Manjaro Linux. Ce sera plus rapide que Calculate Linux, puisque la mise à jour de Calculate Linux va être un peu longue. Après, hop, voilà. Donc, hop, on va foutre ça en plein écran, voilà. Et donc là, par contre, donc j'ai une Manjaro maté, ok, installé avec maté, maté extra. Et donc, on va prendre un terminal, voilà. Et donc, on va faire exactement la même chose que précédemment. Donc là, on met le mot de passe root qui va bien. Oh, ce rose girly, c'est magnifique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc supprimer... On va donc supprimer... Kara. Alors, je vais prendre mon truc là. Alors, on a dit Pac-Man. Donc ça, ce sera la commande pour enlever les orphelins. Donc on va faire un... Pac-Man. Non, c'est pas comme ça. Pac-Man. Tiret. Alors, je crois que c'est RCS Kaja. Ouais. Kaja. Voilà, j'ai pas envie de dire Kara cette fois-ci. Voilà. Donc là, je sais pas pourquoi il me fait ça. VirtualBox, là. Ok. Très bien. Donc là. Total supprimé. Voilà, donc c'est bien ça. Donc là, il nous enlève quoi? Donc Kara, il nous enlève donc Kara, les extensions qui vont bien, le thème d'icône GNOME, ok, Manjaro base de scale, Manjaro maté settings. Donc à mon avis, on va être dans le même cas que sur Ubuntu, on va perdre le thème de Manjaro. Voilà, il enlève carrément le thème Maya, il enlève tout, c'est la fête du slip. Donc oh, voilà. On va donc installer Pac-Man-S, je crois, Nemo. Vous voyez pourquoi j'aime pas faire les vidéos en plusieurs fois différentes, parce que le problème c'est qu'on ne sait plus où on en est. Voilà. Et donc maintenant on va supprimer les orphelins. Alors pour supprimer les orphelins, hop, donc ça, voilà. Je vais reprendre la commande voilà, que j'ai mis sur le côté. Donc, qui est, j'ai dit que j'ai sur le côté, qui est pacman-rns. J'ai trouvé ça sur internet, j'espère que ça a marché. Pacman-grand-q-t-d-q. Voilà. Ah ouais. Donc, c'est pas ça. Très bien. Alors, on va lancer Firefox. Et on va retrouver comment on supprime les orphelins. Alors, hop. Welcome to Firefox, on s'en fout. Pac-Man remove orphans. Voilà. Alors, hop, voilà. Ah, si, voilà. C'était pourtant bien cette commande-là. C'est là que j'ai trouvé. Elle marche pas cette commande, donc ça va être un petit peu compliqué, je m'attendais pas à ça. Alors, no target specified. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'orphelin. Ça veut dire peut-être tout simplement que ça, ça renvoie rien. Ah bah oui, ça renvoie rien. Donc la commande est bonne, je vais la garder. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un pacman-syyqa pour mettre à jour tout. Non. Sans le A. Et on va rebooter après. Ouf, ce fut laborieux. Donc, oui. Qu'est-ce qu'il nous installe? Il nous installe Cinnamon Desktop, une mise à jour et Firefox. Ok. Sans incidence.
Voilà. Et donc on va faire un petit reboot. Faudrait que je vire Mandriva dans ma liste des commandes et que je mette Arch Linux à la place. Voilà, donc là, on va se connecter. Eh ben non, on se connecte pas. Voilà, c'est très bien. Bon. Alors, hop, on va juste rebooter le bazar. Voilà. Manager Linux. Bon, ok. Et donc voilà, donc comme convenu, on perd le thème, c'est comme sur Ubuntu, on perd le thème personnalisé par Manjaro. Voilà. Mais sinon, tout a l'air d'être fonctionnel. Si je fais un Alt+F2 file 2.//home/Adrien. Voilà. Bien sûr, notre ami Nemo se lance. Hein, donc l'association des fichiers se refait automatiquement. Par contre, problématique, c'est en anglais. Il n'installe pas les traductions en français. C'est un petit peu ballot. Voilà, donc ça, c'était pour Manjaro. Et donc, le dernier test sera avec Calculate Linux, qui va prendre un petit peu plus de temps. Donc, j'enregistre ça un peu plus tard dans la journée. Allez, on va se le faire maintenant, on va avoir un petit peu de temps. On va se faire la quatrième partie avec Calculate Linux. Voilà. Hop, je vais mettre ça en plein écran. Voilà. Et on va se faire ça avec Calculate Linux Maté. Et donc vous allez voir que la désinstallation de Kara, normalement si Gentoo, enfin Calculate Linux et Gentoo, gère super bien les dépendances, vous allez voir que normalement on ne peut pas supprimer Kara. Parce qu'en fait, si vous voulez. Enfin, si, on peut le supprimer, mais j'ai dit tout à l'heure que Kara, en fait, il était. C'est lui qui s'occupait d'afficher sur le bureau les infos. Et donc là, si on lance un terminal, que je me connecte en route, voilà, et que je vous fais un emerge-pv, p pour pretend, on teste, v pour verbeux, c pour vérifier les dépendances inverses à Kaja, Kara. Ça n'a rien à voir avec le polyvinyle de chlorure, là où je sais plus ce que ça veut dire, PVC. Voilà, si vous voulez apprendre un truc, attendez, je vais taper PVC, là, vite fait. Je sais même plus ce que ça veut dire, PVC. Polychlorure de vinyle. Ouais, c'est juste que c'est inversé. À cause de l'anglais, à mon avis. Hop là, voilà. Donc là, vous voyez, si j'essaie de désinstaller Kara, il nous dit qu'en fait, Ngrampa a besoin de Kara. Donc c'est ça qu'on voit en fait dans les précédentes vidéos, enfin dans les précédentes distributions. En fait, quand on supprimait Kara, il supprimait Ngrampa parce que voilà, il était dépendant souvent de Kara. Là, forcément, il enlève Kara extension qui est dépendant de Kara. Mais il nous désinstalle Maté et Maté Control Center. Eh ouais, parce que si vous regardez ici dans Kara. Donc vous pouvez installer Kara sans le use flag maté si vous voulez installer Kara tout seul. Donc si on veut désinstaller Kara, on est obligé de désinstaller Ngrampa, maté, maté control center et Kara extension. Ah, voilà. Bon, alors ce qu'on va faire, on va désinstaller Kara quand même pour faire l'ensemble des contrôles, enfin comme d'hab. Hein. Donc yes, on enlève Kara. Donc vous voyez, en fait, ici, Gentoo, avec ses dépendances, va empêcher, si vous voulez, la désinstallation de Kara, parce qu'il considère que si on enlève Kara, eh bien on perd des fonctionnalités dans Maté, donc c'est pas le but. J'installe, comment il s'appelle, Nemo. Donc par défaut, ici, Nemo
Ok, donc émerge Nemo. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je vérifie que FireRoller, il est à jour, non? Donc, voilà, j'installe Nemo. Donc là, je me suis pas cassé la tête à regarder les dépendances qu'il allait m'installer avant. Je l'installe one shot. Donc c'est le suspense. Donc là, il m'installe quand même Cinnamon Desktop. Donc on verra ce qu'il y a dedans. Il m'installe les traductions. Donc on devrait avoir Nemo en français, n'est-ce pas? Et donc, si maintenant je fais une mise à jour. Donc je ne vais pas la faire avec l'outil de Calculate, hein. Je vais le faire directement avec Emerge. Vous allez voir qu'il va me proposer à la réinstallation Kara, parce que selon l'arbre de dépendance, il n'est pas d'accord que Kara soit pas présent, sachant qu'on a Maté. En fait, si on a Maté ici, alors j'aurais dû prendre Maté Desktop là dans l'affaire. Et ici, Maté Desktop. Lui, il a besoin de Kara pour fonctionner. Donc si je fais un petit emerge-avqudn orbasworld, normalement, il doit me dire « Hey gars, réinstalle-moi Kara parce qu'il me manque un truc. » Et donc, voilà, il n'est pas d'accord de perdre des fonctionnalités dans Maté. Donc, sur Gentoo, c'est interdit. Enfin, vous pouvez l'enlever, mais il vous le propose à la réinstallation. Parce que, soit une fonctionnalité est perdue, soit un autre logiciel contient un use flag qui dit « Bah non, mais moi j'ai besoin de ce logiciel-là. » Donc, de fait, il va reproposer l'installation de Kara. Quand ça va arriver. Puisqu'à chaque fois, bien évidemment, je le rappelle, c'est pour ça que les mises à jour sont longues sur Gentoo et Calculate Linux. À chaque mise à jour, il recalcule toutes les dépendances de tous les logiciels qui sont installés. C'est ce qui fait que son système de paquets est plutôt, j'allais dire, fiable. Il n'y a pas trop de ratés, quoi, dans la gestion des dépendances. Alors, si Serge voit cette vidéo, il va me hurler dessus en me disant « Mais t'as pas besoin de faire ça, il y a une commande magique qui fait ça mieux que ça. » Ça, je m'en doute. Donc je le laisserai commenter sous la vidéo et puis constater ça. Apporter la précision qui se veut. Mais après, sans souci, le temps qu'il résolve ses dépendances dans son affaire là, on peut aller dans application au... application préférée. Voilà. Et puis ici, on peut définir. Bah là, de toute façon, il n'y a pas le choix. On a Kara. On a Nemo, pardon. Parce qu'il n'y a plus de Kara. Donc si je fais Alt+F2 file 2.//home/Adrien, il m'ouvre bien Nemo. Voilà. Et il est en français évidemment. Voilà. Donc vous voyez ici au niveau de la mise à jour, il me réinstalle automatiquement Kara parce que pour lui, il se dit mais voilà, ça, la fonctionnalité me manque. Voilà. Donc on peut ne pas l'installer, hein. Si on reboot, on va obtenir exactement les mêmes symptômes que sur les autres distributions, c'est-à-dire la perte de l'icône dossier personnel sur le bureau. Voilà. Toc, donc on va se dépêcher de rebooter cette affaire-là. Et comme ça, le test sera fini. Je vais coller les vidéos rapidos. Comme ça, je pourrais téléverser cette vidéo-là pendant que nous serons en train de manger. Voilà. Donc ici, voilà. On va perdre l'icône sur le bureau. Voilà. On n'a plus les icônes sur le bureau. De fait. Mais après, si on rouvre n'importe quoi, c'est bien Nemo qui se met en fonctionnement. Voilà. Donc j'espère que ce petit test vous a plu, que ça vous a fait plaisir de voir un test comparatif comme ça. Si ça vous plaît, bah, si vous avez des idées de tests comparaison, on peut essayer de se diversifier un petit peu et puis éviter de parler toujours de distribution Linux.
Alors bien sûr, entre installer des machines virtuelles, faire les vidéos, ça me prend toujours un petit peu de temps. Donc voilà quoi, ça peut être un peu plus long de faire ce genre de vidéo, surtout maintenant. Voilà, sur ce, eh ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!